de M. Ian Boucard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Au moment où je vous parle, les salariés de la branche steam de General Electric retiennent toujours le convoi de départ de l'une des turbines de la centrale anglaise d'Hinkley Point. Ce bijou de technologie fait pourtant la fierté de notre pays et des salariés qui travaillent dessus. Mais ils ont été conduits à cette action forte à cause de la situation de blocage entretenue par leur direction qui refuse de reconsidérer son plan de licenciement. Lors du rachat de la branche énergie d'Alstom, le projet de GE, soutenu et voulu par Emmanuel Macron, incluait la création de 1000 emplois nets en France et assurait la maîtrise des activités stratégiques pour notre pays. Mais depuis ce rachat, non seulement les 1000 emplois n'ont pas été créés et les suppressions d'emplois se succèdent. Après les fonctions support, les parties gaz et hydrauliques, c'est aujourd'hui la branche steam qui est concernée. Elle est pourtant essentielle à notre souveraineté économique, car c'est elle qui fabrique les composants pour les centrales nucléaires et notamment la turbine Arabel. Ce nouveau plan va réduire les effectifs sur le site de Belfort à environ 3100 salariés, alors qu'ils étaient 4300 avant le rachat, soit 28% de moins. La direction de l'entreprise américaine justifie ce plan par l'arrêt de l'activité charbon. Or, les salariés concernés travaillent principalement pour l'activité nucléaire. Depuis 3 ans, nous vous alertons sur les risques encourus pour l'avenir de notre parc nucléaire et sur notre capacité à l'entretenir. L'État ne peut pas avoir pour ambition de racheter l'activité nucléaire et en même temps ne pas intervenir pour maintenir les compétences nécessaires pour la faire fonctionner. Dans son courrier adressé aux salariés le 27 avril, le ministre de l'Économie indique que sa priorité va naturellement à la préservation des emplois et des compétences sur le site de Belfort, en particulier s'agissant des activités critiques pour notre sécurité d'approvisionnement. Je le rejoins sur cette priorité, c'est pour cette raison que les salariés de GE, que l'ensemble des élus locaux, que l'ensemble de la population du territoire de Belfort vous demandent aujourd'hui d'intervenir pour que soit mis en place un moratoire sur ce plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan doit être remplacé par un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de la compétence pour que notre jeunesse soit formée à remplacer ceux qui, depuis des années, font tourner ce fleuron industriel et qui arrivent à la fin de leur carrière. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire concrètement pour sauver les emplois et les compétences sur le site de Belfort ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boucard. Vous l'avez dit, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, suit avec la plus grande attention la situation de General Electric en particulier celle de General Electric sur le site de Belfort. Et vous le savez, General Electric fait face à une diminution de son activité dans le domaine du charbon. C'est une transition nécessaire. Cela ne remet pas en cause notre engagement plein et entier sur l'activité nucléaire, qui est une activité stratégique pour notre souveraineté, stratégique aussi pour notre mix énergétique. Et je crois que cela a été rappelé avec force par le ministre de l'Économie. Il a d'ailleurs précisé le 29 mars dernier que nous travaillons à une solution visant à garantir le contrôle français de cette activité stratégique. Nous serons également particulièrement vigilants sur le PSE que vous mentionnez. Nous l'avons déjà été, puisque, comme vous le savez, il était initialement question de 228 postes supprimés. Nous avons ramené ce chiffre à 134. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'est une amélioration et c'est un premier pas. Par ailleurs, nous sommes en contact étroit, vous le savez également, avec les élus locaux, avec les représentants du personnel. Nous l'étions encore le 3 mai, c'est-à-dire hier. Et nous avons obtenu l'engagement de General Electric de ne supprimer aucun poste à contenu métier, ce qui doit permettre de préserver les compétences stratégiques au service du nucléaire. Nous sommes également mobilisés pour accompagner General Electric dans sa montée en puissance sur les activités d'énergie renouvelable. Je pense à l'éolien offshore, je pense également à l'hydrogène. Et pour le territoire de Belfort, l'investissement que nous faisons de 2 milliards d'euros sur l'hydrogène devrait très prochainement lui bénéficier. C'est là aussi une façon d'accompagner la transition de nos industries.